Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des twists, qu'on appelle aussi des vanilles, tout en utilisant des mèches. Ainsi, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de réaliser ce type de coiffure, ou encore ce type de coiffure. Je vais vous montrer trois techniques. Ces trois techniques sont adaptées à trois niveaux différents, c'est-à-dire niveau débutant, niveau intermédiaire et niveau confirmé. Et pour m'aider à réaliser tout ça, j'utilise cette tête à coiffer qui s'appelle Amber. Alors, bienvenue Amber sur ces vidéos. C'est la première fois que vous la voyez et vous allez la voir assez souvent. Si je tourne Amber, vous allez voir trois twists différentes. Ces trois twists différentes sont adaptées à trois niveaux différents. Donc, la première que je vous montre ici, c'est celle que vous pourrez réaliser si vous avez un niveau débutant. Et par débutant, je veux dire toute personne qui n'a jamais tressé de sa vie, à la fin de cette vidéo, sera capable de réaliser cette twist. La twist du milieu, c'est pour toute personne qui a un niveau intermédiaire. Par niveau intermédiaire, j'inclus toutes les personnes qui sont capables de tresser à trois brins. Et si vous ne savez pas tresser à trois brins, mais que c'est quelque chose que vous souhaitez apprendre, je vous conseille de regarder la vidéo qui s'affiche juste en haut. Vous allez voir un petit i qui s'affiche, vous cliquez dessus. Et c'est une vidéo que j'ai réalisée pour expliquer étape par étape comment réaliser des tresses à trois brins. Et la troisième tresse ici, toute personne qui a un niveau confirmé pourra la réaliser. Par niveau confirmé, je veux dire que c'est toute personne qui a l'habitude de tresser et qui maîtrise l'art du tressage en général. Donc vous pouvez le voir, il y a trois techniques différentes qui vous permettront d'atteindre le style souhaité. En fonction de votre niveau, vous pouvez choisir la technique qui vous est la plus appropriée. À la fin de la vidéo aussi, je vais vous mentionner les avantages et les inconvénients de chaque technique parce que oui, il y en a. Et je vous mentionnerai également celle que moi j'utilise personnellement quand je me tresse les cheveux. Allez, c'est parti et je vous montre comment faire. Alors, on va commencer par le niveau débutant. Donc pour cela, je vais prendre les cheveux de Amber. En fonction de la taille des tresses que vous souhaitez, vous prenez des sections plus ou moins grosses. Je vais venir ensuite mettre le petit élastique pour avoir un petit peu plus de visibilité. Alors quand vous allez réaliser vos tresses, vous pouvez directement réaliser les tresses sur un cheveu sec, sans produit dessus, mais je conseille quand même d'appliquer une petite crème. Alors vous pouvez appliquer une crème hydratante assez grasse, assez riche, qui va permettre de plaquer les petits cheveux, d'avoir un résultat plus lisse et aussi ça va permettre d'apporter de la nutrition tout au long de la coiffure. La deuxième chose que vous pouvez faire aussi, c'est appliquer du gel. Le gel, ça va donner vraiment un aspect beaucoup plus lisse. Par contre, ça aura tendance à assécher un petit peu les cheveux. Et la dernière solution, c'est d'apporter une huile ou alors un beurre. Dans le cas de Amber, je vais rien appliquer sur ses cheveux parce que bon, elle n'a pas besoin de nutrition à ses cheveux, mais vous pensez bien à nourrir, à hydrater vos cheveux avant de réaliser les tresses. Donc, je vais vous montrer tout d'abord la première technique qui est à utiliser par les débutants. Donc, je réalise une section. Ensuite, j'utilise une petite pince pour accrocher les cheveux. Je viens démêler la section que j'ai réalisée. Et pour la méthode débutant, on aura besoin d'utiliser des petits élastiques et également un crochet. Donc je commence par mettre mon petit élastique dans les cheveux, dans la section que j'ai réalisée. Ensuite, je viens prendre une mèche de cheveux. Il faut bien que la mèche de cheveux soit légèrement plus fournie que la taille de mèche que vous avez pris sur vos propres cheveux naturels. Donc là, vous voyez, hop, ça me donne ça comme taille. Je compare, oui, c'est bon. Ça veut dire que j'ai pris la quantité nécessaire, la quantité suffisante. Si au bout de vos mèches, vous voyez que tout s'arrête au même niveau, n'hésitez pas à les séparer un petit peu, voilà, pour créer un fini plus naturel et pour que les mèches ne s'arrêtent pas tous au même endroit. Vous voyez, là, ça donne un fini plus naturel. Ensuite, je vais prendre mon crochet. J'ouvre le petit locto qui est là. Je le glisse dans les cheveux. Je prends la mèche que j'ai préparée,
que je viens mettre dans le petit loqueteau que je viens fermer ensuite. Et doucement, délicatement, je vais venir glisser la mèche de cheveux à travers les cheveux naturels. Une fois que j'ai cette boucle-là, je tire un bout et j'ai ajouté ma mèche. Une fois que je suis là, je donne toujours un petit coup là où je tire de chaque côté et pour que l'élastique soit près du crâne. On a les deux mèches naturelles et les deux mèches synthétiques. Comment on procède? La première étape consiste à prendre la mèche synthétique et de faire un tour autour de l'élastique et autour des cheveux naturels. Ça va permettre de masquer l'élastique qu'on voyait là. Donc je reprends, je vous remontre. On a cette mèche synthétique qu'on prend et on fait un tour autour de l'élastique et autour des cheveux naturels. Une fois qu'on est là, on prend la moitié des cheveux naturels qui va d'un côté, l'autre moitié des cheveux naturels qui va de l'autre côté et ces deux côtés rejoignent les cheveux synthétiques. Ensuite, on tresse. Quand on tresse, il y a une technique à avoir. Ça, c'est ce que tout le monde peut faire. Donc, tresser comme ça. Je vous montre à quoi ça ressemble et je vous montre pourquoi il ne faut pas faire comme ça. Si vous réalisez votre tresse de cette façon-là, hop, vous voyez, on obtient quelque chose qui est assez lâche, qui ne va pas durer parce que ça, au bout de un ou deux jours, les cheveux naturels vont s'échapper des cheveux synthétiques. Vous voyez, c'est très facile. Et il y a aussi un grand espace. Donc, il faudra réaliser la twist en apportant un petit tournis aux cheveux. On est à ce niveau-là, du coup. On a réalisé nos deux sections. Ce qu'il faudra faire, c'est que sur la section de droite, vous avez légèrement tourner les cheveux vers l'extérieur et sur la section de gauche, vous allez légèrement les tourner vers l'intérieur et vous allez twister de cette façon en tournant légèrement. Vous voyez, vous tournez légèrement. Vous le faites pas en mode je tourne à fond d'un côté, je tourne à fond de l'autre. Non, il faut que ça soit léger, mais qu'à chaque fois que vous faites un tour, vous tournez en même temps les doigts. C'est un geste à prendre, vous voyez, hop, on tourne légèrement, mais après, une fois que vous l'avez, vous allez voir, c'est naturel et vous allez pouvoir le réaliser très rapidement. Et n'hésitez pas aussi à bien serrer la tresse tout le long. Donc, vous voyez, quand je tourne, je donne un petit coup aussi pour être sûr qu'il y a une bonne tension entre l'endroit où je tire et le haut de la tresse. Regardez, hop. Je suis au max. Je ne peux pas serrer plus que ça. Et je continue. Et là, vous voyez, j'ai réalisé ma première tresse pour un niveau débutant. On va passer au niveau intermédiaire. Je commence à réaliser une mèche à trois brins. Donc là, je réalise une mèche à trois brins. Et encore une fois, si c'est quelque chose que vous ne savez pas faire, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo que j'ai mentionnée au début. Elle vous expliquera comment réaliser ces mèches à trois brins. Vous tressez, et à un moment quand vous tressez, hop, vous arrivez à un moment où le cheveu naturel est au milieu des deux cheveux synthétiques. Vous voyez? Vous allez prendre du coup le cheveu naturel que vous allez séparer en deux parties égales, et que vous allez répartir de part et d'autre sur les deux parties synthétiques. Du coup, vous vous retrouvez plus qu'avec deux parties. Et là, pareil, je twiste légèrement de chaque côté et je tresse de la même manière que j'ai montré sur cette partie-là. On serre bien au début. On serre bien. Et on continue à tresser tout le long. Vous allez voir la partie entre la tresse et la twist, des fois, ça peut gonfler. Donc, c'est à ce moment-là où il faudra vraiment bien enrouler, à cet endroit-là, il faudra vraiment bien enrouler et bien serrer pour justement
limiter la démarcation visuelle entre la partie tresse à trois brins et la partie tresse à deux brins twist vanille. Et là, vous avez la deuxième twist pour toute personne qui a un niveau intermédiaire. Et pendant que je suis en train de tracer, il y a une autre astuce que je veux vous donner. Quand vous allez réaliser vos vanilles, pour ne pas avoir un effet plat sur tout le long et pour éviter qu'on voit les intersections à chaque fois du crâne, hop, ce qu'il est important de faire, c'est que quand vous faites la section du haut, vous venez à chaque fois tracer au milieu de la tresse précédente. Par exemple, quand vous voyez ici, je suis venue me mettre au milieu de la tresse du bas. Idem pour là, je me suis mise au milieu de la tresse du bas. Ainsi, quand vous allez faire vos vanilles, ça va vous mettre à chaque fois la nouvelle tresse au milieu des deux autres, ce qui va vous donner un aspect beaucoup plus fourni des cheveux et ça sera plus beau esthétiquement parlant. Donc, on retourne sur la troisième technique. Je prends mes cheveux que je sépare en deux. Je vais prendre cette mèche-là que je vais caler là. Ensuite, je viens prendre ma mèche. Je vais la poser au milieu de la section que j'ai préparée. Hop, vous voyez, je la pose au milieu là. Et là, je vais la tourner dans un sens. Je tourne tout vers l'extérieur. Hop, je libère la deuxième section. Et je tourne tout vers l'intérieur cette fois-ci. Donc vous voyez, c'est assez technique. Parce qu'il faut tourner celui-là vers l'extérieur. De l'autre côté, on tourne vers l'intérieur. Et il faut maintenir les deux bien tendus. Hop, j'espère que ça se voit sur la caméra. Vous voyez, hop, c'est bien tendu. Donc on tourne. Et à ce moment-là, hop, quand on a bien roulé, on commence à tresser. Et là, je tourne. Tout en tressant, je continue à tourner. Pareil, il faut appliquer une bonne tension au début. Et je continue à tourner. Et je continue à tourner. Et je continue à tourner. Et ça, après, pour la suite, ça reste comme les autres techniques. La difficulté de cette technique, c'est vraiment au départ. Il faut tourner dans un sens, tourner de l'autre. Et tout en tournant les mains, maintenir les deux cheveux synthétiques et naturels. Et les enrouler les uns autour des autres. Donc c'est pour ça que cette technique est un peu plus compliquée et elle est accessible aux personnes qui maîtrisent déjà les différentes techniques avant que j'ai mentionnées. Ok, donc là vous voyez, je vous ai montré les trois techniques débutant, intermédiaire, confirmé. Donc je vais vous expliquer maintenant quels sont selon moi les avantages et les inconvénients de chaque technique. La première technique, avantage, c'est que tout le monde peut le faire, ça prend du temps, il faut être patient, mais c'est facile et esthétiquement parlant, on a la vanille qui commence dès le départ et pour moi, c'est plutôt pas mal. L'inconvénient pour moi, il y en a deux. Le premier, c'est qu'on met un élastique directement sur la racine des cheveux et les élastiques, ça amène une certaine tension, donc il faut faire attention de ne pas trop les serrer parce que sinon, ça peut casser les cheveux. Le deuxième inconvénient, c'est que quand on va venir utiliser ce petit crochet, si on n'est pas habitué, on peut venir attraper des cheveux et étirer. Et quand je veux dire les cheveux, c'est nos propres cheveux. Donc si on n'est pas vigilant avec ce petit outil, on peut s'arracher les cheveux. Et pour moi, c'est le point négatif. La deuxième technique, pour moi, le gros avantage, c'est que le fait de commencer avec une tresse au début, de changer ensuite avec les vanilles, ça va ajouter un peu de durabilité à la coiffure. Vous allez pouvoir garder la coiffure un petit peu plus longtemps. Par contre, esthétiquement, c'est moins sympa de voir... Oups, j'ai fait tomber mon peigne, une seconde. Hop ! Esthétiquement parlant, c'est moins sympa de voir une partie tresse suivie d'une partie vanille. Bon. Ce que vous pouvez faire, si vous maîtrisez cette technique-là, c'est de réaliser cette technique-là sur l'ensemble des cheveux et sur la partie de l'avant, opter pour cette technique-là ou cette technique-là qui va permettre de ne pas avoir la partie tresse à trois brins au début et ensuite tresse à deux brins à la fin. Sur cette troisième partie, c'est ce que vous allez avoir de plus beau esthétiquement parlant. Le fait de tourner les brins au début et de les enrouler les uns autour des autres, ça peut créer une certaine tension au niveau des cheveux et ça peut créer un peu de casse. Donc il faut être vigilant avec cette partie-là.
Pour moi, la meilleure solution quand vous réalisez une coiffure comme celle-ci, c'est d'utiliser la technique intermédiaire sur l'ensemble de la tête, c'est-à-dire sur toute la partie au milieu là, et sur toutes les parties vers les bords qui se voient un peu plus, de passer soit sur la méthode 1, soit sur la méthode 3. Comme ça permet de limiter la traction des cheveux tout en gardant un style esthétique très sympa. Cette vidéo est un peu longue, mais j'espère qu'elle vous a plu. Elle vous synthétise comment réaliser des tresses à deux brins ou des twists ou des vanilles, peu importe comment vous les appelez, mais ça permet de réaliser ce type de coiffure avec des mèches. Et j'espère que vous serez capable de réaliser cette coiffure vous-même sur vos propres cheveux. Je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le bouton like pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Bonne journée, au revoir.